Voilà, après deux remises en place de Nita, ça se passe plutôt pas mal. Il accepte le conflit, il accepte l'oppression, il accepte le contact. Il dit pas trop grand chose malgré qu'il a son jouet avec lui. Il est assez correct avec le chiot. Nita reste à proximité pour être sûr que tout se passe bien. C'est plutôt pas mal. Good job, Lucas.